Est-ce qu'on a fait un atterrissage parfait, les gars? Ah! Non, imbécile! Ah, ce jetpack était franchement en panne d'essence! Tu pouvais pas remplir? Je pouvais pas savoir si Magnon et les autres allaient partir à la région Unis! Alors comment veux-tu que je le sache, moi? Ils partent alors que tout n'est même pas préparé! Tu nous as même forcé de venir avec toi! Ouais, c'est sympa, toi. Enfin bref, où est-ce qu'on est? On serait pas un certain Route 5? Espèce d'idiot, comment tu peux savoir? Il a parfaitement raison. Ah, mais je t'en connais! Tu serais pas celle qui m'avait martyrisé la dernière fois! Non. Bon, qu'importe. Là, ce que vous voyez, c'est la part de Youneuve. Pour y accéder, vous devez prendre le pont de Youneuve. Le pont de Youneuve? Le pont de Yo-Crasse, ouais! Hey, je t'interdis d'insulter le fameux port Youneuve. Bah, espèce d'attardé. Je suis pas en attendez, tu veux me battre, c'est ça? Tonnerre. Psss, aou! Oh, quelle tête de mule, je te jure. On va juste poser une question. C'est quoi comme question? Si Chubb est passé sur le pont, comme ça, on pourrait avoir une piste. Ah, bonne idée. Hey, toi, est-ce que tu connais un certain Chubb? Chubb? Le garçon avec le gilet bleu, avec un bandeau jaune, accompagné d'un moustillon. Ah, oui, il est passé justement vers le pont de Yonne. C'est un brave garçon en plus. Excellent. Mais cette barre sort de ce corps! Hey, tout le monde le dit ça, alors qu'est-ce que tu crois? En tout cas, puisqu'il est vers le pont de Yonne, ça veut dire qu'il va venir à port de Yonne. C'est ce qu'on a tous compris! Ah, entre pour dire que cette fois, Chap et Inara, il n'ira pas plus loin. Ok, ta maman, tu peux arrêter avec ça, ça devient lourd au bout d'un moment. D'accord. Bon. Les amis, tout ce qu'on doit faire, c'est juste se séparer en groupe pour chercher des informations concernant Speed Harmony, pour qu'on puisse le traquer. Ouais, de toute façon, vu l'expérience qu'il est, on peut pas dire que. On peut pas dire qu'il le fasse contre nous tous. Bon, on va se séparer en deux groupes. Oh, ben, je préfère être à côté de ta maman pour être sûr qu'il va bien. Hey! Et moi, bah, je pense que je vais être avec Woody et Sango. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand même un problème. Oui, là, on est trois et vous êtes que deux. C'est pas grave, je suis quand même assez expérimenté pour dire. Peux te faire confiance alors? Je sais ce que je fais! J'ai une lourde responsabilité! Et puis, hé! Je suis quand même un des partenaires les plus puissants! Ok, donc je peux te faire confiance. Woody, Sango, on y va! Ok! Bon bah alors c'est parti! Waouh! Hé! Ça te dirait qu'on essaie de vérifier vers le frigo. Vers le frigo frigorifique? Le frigorifique? Je sais pas s'il y en a! Bah on peut y aller quand même! Allons-y! Ah, bon, d'accord, si tu veux. Ah! Alors ces bandes de bouffons se sont séparées en deux! Pfff! Non mais laisse-moi rire, je te jure! Il me fait plaindre! Quelle stratégie de nul! Oh bah au moins! Ils sont un peu plus espérantés pour dire! Mais enfin, qu'importe. Il faut qu'on trouve un moyen qu'on se sépare en deux pour qu'on puisse les traquer. Bon, toi, pour des espiègles, tu seras avec bah Donald, et moi, je serai avec Lifty et Professeur P. Comme ça, j'aurai deux Natello, et moi, je serai encore plus stratégique. Ouais, t'es même pas équilibré. En plus, c'est n'importe quoi. Bande d'espiègles, c'est le plus gros, c'est le plus nul de toutes. Eh, tu te demandes pardon? Non mais c'est la pure vérité! Il sert à rien! Il se fait battre par un poney! Hey! Donc vous aussi vous vous faites battre par un poney! Je dois quand même vous faire rappeler! La ferme! Quoique, tu as peut-être raison sur le coup.
Ah, enfin bref, ton idée est stupide, Panthère Rose. Non, moi, je suggère plutôt être avec Lifty. Et toi, avec Pandesplague et le professeur P. Ah, pourquoi je ne devrais pas être avec toi, hein? Ouais, bon d'accord, tu vas avec moi. Quoi? Je veux pas être avec un certain Pandesplague. C'est le plus nul. Au moins, je suis pas plus méprisable que toi. Ciao. Ouais, tu n'as pas tort sur le coup. Bon, qui voudrait rejoindre la bande d'un panthère rose? Bande de crétins méprisants de mes deux couilles! Enfin, qu'importe, je sais me débrouiller tout seul de toute façon avec Pandespiègle. Vous êtes juste que des... Vous êtes des jaloux. Allez, viens, Pandespiègle! On va essayer de suivre la bande de chat. Ah, et nous, on va essayer de suivre ta maman et Moustillon. Comme ça, ça sera vite fait bien fait. Ah, bonne idée. Je sens que Panthère Rose aura un karma. Comme d'habitude. Bah ouais, il y a karma dans les autres vidéos, pour dire. Est-ce que vous avez trouvé Spider Money? Non. Ouah. J'aurais jamais cru que trouver Spider Money serait vraiment compliqué, hein. En plus, tout ce que tu m'as dit sur Spider-Man, franchement, j'aurais jamais pensé de lui. Je pensais que Spider-Man serait sympa. Ouais, Spider-Man, oui, mais Spider-Man, pas vraiment. Ouais. Est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce que... Ouais. Est-ce que je peux vous aider? Plutôt petit, ce Groudon. Et en plus, c'est parler. Ça dépend de certains Pokémon légendaires. Oh, tu parles de l'autre Groudon qui vient de la région romaine? Moi, je suis pas pareil. On m'appelle Groudon Junior. Groudon Junior. Ou si vous préférez m'appeler Tilly Groudon. Tilly Groudon? Je préfère appeler Tilly Groudon. Oh, regarde comme il est mignon. Eh, hey, je suis pas mignon, ok? Je suis même un champion d'arrêt du port de Yonneuve. Quoi? Toi? Quoi? C'est vraiment bizarre. Depuis quand les Pokémon peuvent être des champions d'arène? Pas depuis toujours, hein. Ouais, mais c'est quand même assez bizarre pour être tout à fait honnête. Enfin bon, ravi de te connaître. Je suis presque à parier que vous êtes venu ici pour remporter le badge de Port Yonneuve, hein. Non, on est venu surtout pour chercher Spider Money. Spider quoi? Tu voudrais pas dire Spider-Man? Spider-Woody, non. C'est le clone de Spider-Man. Mais en nul. Oh. Je suis désolé de dire cela, mais je croise même pas de Spider-Woody. Bah merci quand même. Mais bon, je suis vraiment déçu que j'ai croisé que des losers. Ils ont même pas été même pas capables de battre moi, Groudon. Alors que je suis même pas le mec puissance que le Groudon original. Est-ce que le Groudon original, il sait parler? Crois-le ou non? Non. Je me disais aussi, j'avais déjà un Kyogre. Kyogre? Le Kyogre? Ouais. Oh. Tu as même dompté Kyogre? Ouais, j'en ai même utilisé en cas de besoin. Alors franchement, je te dis bravo. Alors, franchement, je t'envie réellement. Non, bah moi non. Qui a parlé? Ah, non. C'est... Waouh, waouh, waouh. C'est qui lui? Oh, espèce de prune! Cervelle de prune! Je suis Panthère Rose! Hé! Hey, je suis une sanglot, pas cervelle de prune! Cervelle de prune, cervelle de prune! Alors là, franchement, c'est pas cool ce que tu viens faire. Ouais. Je suis Pandespiègle. Je fais partie du partenaire de Panthère Rose. Et le plus nul! Si tu veux espérer de battre contre toi, franchement, tu es mal barré. Autant pour dire que cette fois-ci, tu n'auras vraiment pas de chance. Je suis sûr que ce coup-là, tu vas dire: oh, s'il te plaît, Panthère Rose, je t'en supplie, épargne-nous, tu es trop fort. Ah! Et c'est toujours? Ah, tu m'énerves! Alors, je croyais, j'aurais jamais pensé que ce Panthère Rose aurait agirait comme un gamin. Ah, la femme, sale gamine! Tu sais même pas de quoi tu parles! Parce que moi, Panthère Rose, j'ai beaucoup de compétences!
d'honnêteté et de médiocrité. Donc je vais te débarrasser de toi une bonne fois pour toutes. Hein, on peut pas frapper les filles. Ah, je m'en bats avec ce que tu dis. Et j'ai le droit de frapper qui je veux, ok? Sexiste. Oh, toi la ferme, espèce de gros dos de nulos. Alors là, c'est pas cool ce que tu viens de dire. Et tu vas subir le karma. Et c'est pour moi, hein. De toute façon, je vais tous vous battre. Il est là, le frigorifique. Je comprends pas pourquoi tu veux y aller. Parce que j'aimerais bien chercher des glaces. Ah, des glaces? Tu veux parler des chocolats, des vanilles, quoi que ce soit? Ouais. Malheureusement... Attends. Quoi? Il y a quelqu'un qui vient. Où ça? Porte-toi vite. Ouais. Oh! C'est quoi ça? Oh! Ça va être trop génial. Je vais pouvoir me réfugier. Il peut y avoir beaucoup de glaces partout. Ouais, ça c'est ma maison, ma maison. Je vais pouvoir manger tant de glace que je veux. Ouais. Tiens, quel bouffon, je te jure. Il croit sincèrement qu'il y a des glaces alors que de toute évidence il n'y a pas de glace. Là, je suis dégoûté pour être tout à fait honnête. Ouais, bah, je pourrais pas faire dire autrement, honnêtement. Enfin, maintenant qu'on Spider Bunny est là, on va le traquer, puis récupérer le galet blanc. Ouais. C'est parti. J'arrive. Waouh. Alors, ils veulent vraiment récupérer le galet blanc, hein. Le galet blanc. Mais... Oh. Tu crois savoir? Ouais, exactement. Ça doit être pas un certain truc où il y a Richiram. Si, si. Oh. Bon, ça est parti. Attends. Tu sais où est-ce qu'il est, le professeur P? Il doit se retrouver là-bas. Va chercher le professeur P. Pendant ce temps, moi, je vais essayer de régler le compte à ces imbéciles. Ok, si tu veux. Alors, frigo furguilé. Frigorifique. Ça doit être bien cela. Oh, bah, il était quand même grand temps qu'on doit débarrasser de ce truc. Et je sais où est-ce qu'on doit le mettre. Qu'on apporte le frigorifique vers le bateau qui va mener à Londres-sur-Mer. Mais où est-ce qu'il est, Spider-Bunny? Il devait être là, normalement. Ouais, c'est vraiment trop bizarre. Beaucoup, beaucoup trop bizarre. Où est-ce qu'il est? On n'est pas fou, on l'a vu entrer dans le frigorifique. Ouais. Regarde, une tapis. Bonjour. Comment vous faites pour ne pas sentir cette température aussi bas? Oh, Hicklig, maintenant que tu le dis, c'est vrai que cette température il fait aussi bas. Moi, je ressens pas grand chose, c'est un type haut. Mais c'est facile à dire. Lui, pourtant, c'est un type haut et pourtant, il a froid. C'est vrai, mais... Enfin bref, maintenant qu'on a réussi à sauver Inkling, on va pouvoir essayer de chercher Spider Bunny. Quoi? Spider Bunny encore? Je pensais qu'il n'aurait pas la curiosité de venir vers la région Unis. C'est n'importe quoi, je te jure. Enfin bref. Non mais c'est vraiment bizarre. Normalement il doit... Des toiles? Oh non. Hey, ça va. Aïe. Oh, je suis tout collé. Bonjour Spider-Bunny. Oh, franchement, j'aurais préféré que tu sois pas là. Ah ouais, mais malheureusement, c'est pas le cas. Parce que là, j'ai le galet blanc. Autant pour dire que je vais me servir de galet blanc pour faire du gâteau. Galet... Ah, c'est vrai, le galet blanc, j'avais oublié. Attends, tu vas servir comme du gâteau? Ouais. Mais t'es complètement dingue. Ouais, mais je vais faire le galet blanc comme le meilleur gâteau de tous les temps. Qui a...
Alors, est-ce que je vous ai manqué? Lifty? Je pensais que toi, oh, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que tous les méprisables soient dans la région Unis? Méprisables? Moi? Qu'est-ce que t'as fumé? Ah, laisse-moi deviner, Panthéros et les autres sont là, hein. Bad Donald et Monsieur Professeur P doivent être là une minute à l'autre. Alors là, vous a bloqué en beauté, hein. Ouais. Spider Mouni, qu'est-ce que tu fais ici? Surtout, on doit rien dire concernant... Je le galère blanc! Ça, on le savait tous. Maintenant, rends-le-moi, donne-moi le galet blanc. Non! Hé! Hey, tu n'as pas le droit! C'est pas à toi! Et en plus, tu te remets pas compte de ce truc! Je m'en balèque. Maintenant qu'on a le galet blanc et que vous êtes tous coincés comme des merdes, entends pour des... Qu'est-ce que... C'est quoi tout ce bruit? C'est quoi ce bordel? Non, non, non! Abruti! On est là! Non, oh, c'est pas possible! Oh, on est tous bloqués dans le frigorifique! Quoi? Oh, quoi? Non, c'était une blague! Bande abruti! Vous savez pas ce qu'il y a quelqu'un dans ce... Ah, c'est pas possible. Là, je commence à avoir faim. Grâce à ma tenue antique de anti-température gel ou chaude, je n'ai ni plus ni moins. Bon, bah, tant qu'on pour dire que... Hein? Espèce d'abruti, t'as cassé le... Comment cet abruti a osé détruire la gadget en plus de cela? On pourra pas tenir longtemps dans cette frigorifique. J'ai froid. Est-ce que l'un d'entre vous avait un attaque de type feu en moi? Non. Non. Oui. Non, mais t'as ma belle place, t'es pas un attaque de type feu. Ah, non. Merde. Lefty, est-ce que tu as moins de gadgets pour lutter contre cette température aussi basse? Franchement, si j'avais su, j'aurais pu remporter, mais sauf que ce crétin de Panthéros Rose nous a précipité à prendre le voyage que j'ai pas tout pris. Évidemment. Merci beaucoup, Spider Mouni. À cause de toi, on est bon pour être gelé. Mais c'est pas ma faute, c'est parce qu'il faudrait rentrer. Ouais, mais le professeur P a des meilleurs gadgets. Il aurait pu au moins partager la fraîcheur. Mais toi, au lieu de ça, t'as fait n'importe quoi. Ah bah, je suis content que ça me fait plaisir. Je te jure, Spider Mouni. Il y a des fois où je suis content que tu sois plus dans notre bande. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, il a fallu que ça tombe toujours sur moi. J'essaie de tout donner pour mon équipe, mais moi je rapporte rien. J'espère que que Chop et les autres s'en sortent mieux. T'es nul, plutôt, ouais. Oh, c'est plutôt facile que ça, on a l'air. Tout va en quoi qu'on fasse, Panthéros ne retiendra que dalle. Waouh. On a assez perdu de temps. Faut vite retrouver Spider Mouni, mais... Je me demande si Moustillon et ta maman vont bien. Pas question. On a... Tout ce qu'on a fait, c'est juste battre ce Panthéros et Bande Espiègle, mais rien du tout. Cela, je préfère les mettre dans une cage. Quoi? Je veux pas être dans une cage encore une fois. Non, lâche-moi. Ah bah, je te jure, quoi. Bon, malheureusement, je crois que cette journée nous a rien rapporté. Ouais, malheureusement. On devrait peut-être retrouver Moustillon et ta maman. On espère qu'ils vont bien. Ouah.
J'ai froid. Qu'est-ce qui m'a appris d'entrer? Finalement, on n'aurait peut-être pas dû entrer dans cette frigorifique. Comment voir? Et les mecs, peut-être qu'il est grand temps de battre contre eux. Ils sont pas en état de battre. Nous aussi, on a très froid. Comment veux-tu qu'on combatte dans une telle température? Peut-être qu'on devrait essayer d'établir un plan. Oh, j'en peux plus, moi. Il faut que j'utilise mon attaque. Non. Oh non, j'arrive pas à utiliser cette attaque. Cette température nous a désavantagé notre capacité en dire que aïe. Enfin. Je suis content. Je suis enfin libre. De cette... Attends une minute. Où est-ce qu'on est? Ça ressemble même pas au port de Yonneuve. Ce serait pas certain. Il me l'a pris quoi? Est-ce que l'un d'entre vous avait gardé le galet blanc? Je te l'ai prêté à toi quand on était dans le frigorifique. Pour être sûr. Non, c'est pas possible. Un Spider-Man nous a volé. Non, c'est pas possible, je te jure. Je te jure. Achou! J'ai un rhume à cause de cette frigorifique. Achou! Moi aussi. Achoum! Oh! Dites, Moustillon, où est-ce qu'on est? À mon ami, on est loin de sur-mer. On est plus chez le port de Yonneuve. Quoi? Alors là, franchement, on est très loin de Chop et les autres, alors? On doit vite les rejoindre. Achoum! Oh. Bonne idée. On n'a qu'à juste chercher un bateau pour y aller. Achoum! Oh, je te jure...